Hola chiques, bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Oui, j'ai craqué, j'ai acheté un autre album. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Seventeen. Ce n'est pas TXT non plus. C'est un groupe dont je ne pense pas que je parle autant que ça, mais que j'aime du plus profond des mondes de mon cœur. En fait, si, j'en ai déjà sûrement parlé. J'ai déjà expliqué maintes fois pourquoi j'ai Apple Music. C'est pour ce groupe-là précisément. Pour ce type-là plus précisément. IMDBOM de GOT7. J'en ai rien à faire, je ne veux rien entendre. GOT7 Forever, leader IMDBOM. Donc du coup, j'ai acheté l'album qui contient ma chanson préférée. Ok, du coup, genre, mon album préféré avec ma chanson préférée ever, 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 c'est 747 et ma chanson préférée, c'est Teenage. Mais, il y a aussi Page, que j'aime de tout mon cœur. Du coup, j'ai acheté Spinning Top. Il était à 24€ prix de vente Fnac. À ce qui paraît, techniquement, il est à 34. Il est marqué 34 là, mais je l'ai eu à 24 avec ce prix ici. Il l'avait en magasin, du coup je suis passée, j'ai fait un petit coup d'œil parce que hier on est allé se balader avec mes voisines et il y en a une qui voulait rentrer à la Fnac et j'ai fait oh, j'ai vu qu'il y avait moyen de faire un retrait en moins d'une heure d'un album, est-ce qu'il est toujours là? Et en cherchant, je l'ai trouvé. Du coup, j'ai été chercher hier, donc samedi, hier, samedi 6 février, aujourd'hui on est dimanche 7. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas ouvert parce que je me suis dit que c'était mieux d'avoir une meilleure lumière. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui c'est mieux qu'hier soir. Mais ouais, on va unbox ça au plus vite. Je parle pas souvent de GOT7, mais je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique qu'ils font. Et même, bon bah maintenant, séparément, la musique solo qu'ils ont fait séparément. Même leur solo, en vérité, dans... Ah, c'est pas Miracle. Miracle. C'est You and Me. Bon, après, ça a été miracle. Mais dans You and Me, ils avaient tous des solos et j'ai trop aimé. J'aime trop. Genre, j'aime trop JB, je l'aime. C'est l'amour de ma vie, voilà. Mais JB sur ce SoundCloud, il a toujours mis de la musique qu'il faisait lui-même et j'ai toujours trop, trop aimé. Du coup, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire là. Mais je me disais qu'il fallait quand même que j'ai un autre album de GOT7 parce que je les aime d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Genre, la matière, elle est toute douce. C'est... Ouh, c'est plaisant. Ok, par contre... Ok, c'est pas ici. Ah, c'est quelque part où mis. Là, c'est bon. Voilà, il y a deux photocartes qui sont venues avec. Du coup, Between Spinning Top, Between Security and Insecurity. Dans cet album vient 1 degré. Eclipse, Cut, Time Out, Pidotulé. Page et Eclipse Instrumental CD Only. Mais pour vous dire les noms qui sont écrits en coréen, Midojule Believe. Donc c'est 1 degré, Eclipse, The End, Time Out, Believe et Page. Avec en plus dans le CD la version instrumentale de Eclipse. Ici il y a les noms de tous les membres, donc JB, Mark, Jackson, Jin Young, Youngjae, Bam Bam et Yugyeom. Double B, et puis c'est JYP Entertainment, machin, bref, voilà. Et ici, nous avons le truc. Je crois que ceci se retire, de fait, on peut le retirer, yes. Du coup, on peut retirer cette partie-là, voilà. Qui est un peu la première de couverture, et genre là, on a Spinning Top. Une sorte de mini poster comme ça. Écrit Spinning Top. Avec... JB! Désolée, je n'avais même pas remarqué. Il y a le petit JB là. À la base, mon bias c'était... Je crois qu'au tout début, c'était Jackson parce que je relate trop à Jackson. Et après, c'était Jin Young. Et depuis 2019, de fait, c'est JB. Et voici à quoi ressemble. Sinon, j'allais dire le bouquin. Bah, enfin, en vérité, ouais, ça peut être un bouquin. Je vais retirer, je vais juste le mettre à part parce que j'ai trop peur que ça glisse, machin, etc. Et que je l'abîme donc. Donc quand on ouvre, nous avons ceci. Genre là, ça s'ouvre comme ça. Et à nouveau, une sorte de petit truc poster là. C'est vert. Et puis nous avons Taeyong Jae. Taeyong. Waouh.
Et puis on a à nouveau les chansons qu'il y a dans le CD. Une photo du groupe. Oh, il est tellement beau. JP. Je me demande si, vu que la première photo que j'ai ouverte c'est Yongjae, est-ce que le CD a une tête? Ah non, j'allais dire. Parce que dans... pour Seventeen, à un moment, les CD... voilà, merde. Voilà le CD. Pour Seventeen, pour All One, Director's Cut et pour Semicolon, on avait la tête des membres sur les CD. Donc pour All One, j'avais Jonghan, Director's Cut, j'avais Sungwan et pour Semicolon, j'ai eu Sungwan aussi. Et du coup, je me demandais, vu que j'ai eu Yongjae ici directement, je me suis dit peut-être le CD il vient avec la tête d'un des membres. Du coup, là, on a tout le photoshoot de JB en noir et blanc. Puis on a Marc. Jackson. Tout en noir et blanc. Putain, il donne. Les portraits donnent bien. Jin Yongjae. C'est le double page là. Yongjae. Hop. Double B. Chaque fois que je dis double B, j'ai Lullaby qui vient en tête. Nananani. Et j'ai la version genre à moitié en coréen, à moitié en espagnol. Genre j'entends mi cabeza et des trucs comme ça. Je suis là genre mais pourquoi j'ai même pas la chanson genre correctement dans ma tête. Double B. Et puis Kim Yugyeom ici. Et ça je suppose que c'est peut-être la fin des photos en noir et blanc. Ah maintenant on a les photos en rouge. Ça me fait penser à la trend TikTok. D'ailleurs si vous faites cette trend, arrêtez de la faire tout nu, toute nue, parce que en fait les gens arrivent à retirer ce filtre. En tout cas le filtre rouge, à ce qui paraît c'est super facile à enlever. Du coup maintenant que je vois genre le filtre rouge, vraiment cette trend TikTok, je sais pas du tout c'est quoi, mais si vous le faites toute nue, tout nu, faites attention que les gens ne reprennent pas vos vidéos et que vu que le filtre rouge ça s'efface vite, bah vos nudes elles tombent sur internet dans de mauvaises mains. Faites très 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 attention à vous en tout cas. Désolée pour ce petit note sérieuse. Et du coup là en fait on n'a plus, c'est juste tous les membres en rouge. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas plusieurs photos comme dans la version noir et blanc. Et puis maintenant, ah maintenant on a la version couleur de Team. Donc là on a Mark, JB, Jackson et puis dans l'ordre c'est Yongjae, Yugyeom, Jin Youngbaem. Comme ça. Photo de team, c'est pas mal. Photo séparée à nouveau. Dans l'ordre, JB, Marc, Jack. Je dis Jack comme si c'était mon meilleur pote. Hey Jack. Oh, je fais tiap. Jin Young. Honnêtement, genre, je pourrais vivre seule avec mes albums de K-pop et la musique de K-pop. Ma meilleure vie. BM. Kyom. Et puis la connue, cette photo là des 7, elle est super connue partout. Puis à nouveau là genre les 7 Attends, ça me rappelle, j'ai l'impression que ça me rappelle un truc de genre NCT 127 ou un truc comme ça, genre juste pas du tout le truc parce que je ne suis pas, mais j'ai l'impression genre dans un des albums ils ont un fond bleu et ils sont tous en train de marcher et ça me rappelle cette photo là de NCT 127. Mais sinon ouais. Oh, j'aime bien ça. Genre double comme ça et double et trouble, double trouble. c'est pas grave mais j'aime beaucoup cet effet. Oh, ils sont grave beaux, c'est trop beau. Ah, et du coup là, ah ok, là c'est les paroles. Donc là on a un degré, Eclipse, Dien. Donc là on a Eclipse et Dien avec chaque fois un des membres. Time Out et Believe ici et Page et Eclipse CD Only. Du coup comme c'est instrumental il n'y a pas de parole, mais du coup on a une grande photo super grande de Kyom comparé aux autres qui ont chaque fois un petit texte écrit en dessous. Et là c'est les thanks des membres, donc là les thanks du groupe en général, puis il y a JB, Marc, Jackson qui a écrit un grand truc ici. Et qu'il a écrit jusqu'ici en fait.
Il est écrit pour JYP China, JYP Japan, JYP Thaïlande, bref. Du coup, ici, il y a Jin-Young. Tout ça, c'est Jackson. Là, c'est Jin-Young, Youngjae, BAM et Yugyeom. Et Content Production, machin, etc. Et voilà. Et je vous ai déjà montré le CD tantôt. Et cette page, elle s'ouvre pas contrairement à l'autre. Voilà. Et pour le moment que vous attendez tous, mes deux PC, elles sont là. Elles sont un peu collées l'une à l'autre. Mais elles sont comme ça. Oups, merde. Ah non, celle-là, elle est avant. Oh, voilà, ok. Je vais... Elles sont de la même manière. Je regarde pas. Mais c'est genre spinning top. Du coup, on va en prendre une. Comme je viens de montrer, c'est spinning top et c'est en bleu, machin, etc. Et c'est... C'est Jackson. Oh, petit bébé. C'est la première photocarte que j'ai Jackson. Dans l'autre, j'avais Youngjae. J'avais JB et Youngjae. Ouais, c'est ça, je crois que j'avais JB et Youngjae. Et j'avais celle des 7 pour 747. Et puis mon triangle, je crois que c'était Youngjae. Du coup, c'est la première photocarte que j'ai Jackson. Bon, c'est le deuxième album, hein, mais... Jackson. Et celle-là, à nouveau, c'est comme ça. Ah, j'ai vu les cheveux mauves, c'est BAM, c'est d'office BAM. Ouais, c'est BAM. Petit BAM. Double B. Du coup, j'ai Jackson and Double B. Voilà pour ce petit unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve que GOT7, pendant ces 7 années, ont été très sous-cotés, surtout en Corée, un peu moins à l'international. Ils étaient fort invités, ils ont fait leur world tour. C'était les premiers d'ailleurs, parce que c'est les premiers qui ont annoncé, mais c'était les premiers à faire un world tour Europe comprise, États-Unis en sold out. Parce que c'était les premiers groupes de K-pop qui avaient inclus l'Europe, etc. Après cette année-là, justement, BTS a drop des dates et eux aussi ont sold out tout. Mais c'était eux les premiers là-dedans. Faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. GOT7 fait de la très bonne musique, que ce soit le groupe ou en solo, ou ce sont de très bons acteurs. Hashtag Jin-Young. Vraiment, genre, ils méritent le monde. Et encore plus maintenant, faut les soutenir parce que franchement, tout ce qu'ils vont nous réserver, I can't wait for it. J'ai trop hâte d'écouter tous les sons qui vont sortir. La chaîne YouTube de Marc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. En fait, j'ai vraiment hâte de tout. Donc j'espère que vous aussi, vous aurez hâte parce qu'ils méritent le monde aussi. Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!